Ah bah elle a gagné un comté supplémentaire. Hein? Merde. Elle a une fille maintenant. Du coup c'est maintenant la fille qui est héritière. Très bien. On va devoir attaquer alors. On n'a pas le choix. Je voulais la tuer moi. Pour que le complot permette à ma belle-fille d'obtenir le titre de reine de Thurig. Reine de Thurig, je sais pas comment on dit. Et elle se cache en fait. Du coup ça marche pas. Donc on abandonne. Rappelle mon maître espion. Et quant à nous, bah. Même si mes vassaux étaient presque prêts à max. à ne plus me détester pour la guerre. Désolé, la guerre reprend. Hein? Où sont mes. Pardon. J'avais une alliance avec ce monsieur. Et genre, il peut pas venir avec moi. Non. Je ne peux les bénéficier d'aucune alliance. Super, formidable. Eh ben tant pis. On y va. La guerre! Rassemblement! Anxieux. Oh, ça sent la mort. La mort, certes, mais la victoire. Chef! Nouvelle reine. C'est ma belle-fille. Donc du coup, mon fils. Oh énorme. C'est énorme, c'est énorme. Mon fils est roi du coup. Roi par alliance. Donc du coup, c'est lui qui va hériter de tout. Voilà, c'est le meilleur move. Par contre, j'aurais bien aimé un peu plus d'enfants parce que là, c'est assez faible quand même. Ah, je suis mort. Bâti. Prétendant, il y a beaucoup de prétendants. Hein? Lui, il peut? On sait les prétendants. Les couilles. J'avais dit que la mort était proche. Et j'ai pas hérité de plein de putain de merde. Ça veut dire que maintenant je peux me réassocier avec le duc de Tyrol, je n'ai plus de revendications avec sur lui. Non, j'en ai plus. Ok, bon bah. On peut se réassocier. On peut se réassocier, s'il te plaît. Voilà. Bien, et ma femme est une reine. C'est pas beau ça. Incroyable. Il fait face à deux révoltes. On a ça qui nous intéresse. Partie du duché de Bavière. Et on n'a plus de revendication dessus. On a ça. On ne peut pas l'attaquer. Par contre, Trévise étant actuellement en guerre. Le territoire n'est plus sous la protection de la Turgovie. Donc ce territoire est nul. Là, on peut l'attaquer. Le territoire nous est accessible. L'Istrie, on peut pas. Le Vegel, on peut pas. Est-ce qu'il y a d'autres territoires? Non, c'est tout ce qu'il y a. En fait, le mec fait face à deux révoltes. Vegel et Istrie. Le Bad. Le Bad! Le mec fait face à la révolte
pour instaurer la succession par monarchie élective et la révolte pour la revendication du duc Adelbero sur Turgovie. D'accord, c'est un mec du coin qui veut récupérer le duché. Donc je propose, c'est qu'on attaque Trévise. Après tout, nous avons une revendication vis-à-vis du duché de Frioul. Je jure, prends Trévise. Ça permettrait d'avoir un pied. Clairement, voilà, déjà un bon pied là, mais un bon gros pied pour le royaume de Corinthie. Et tout ça. Donc, attaquons Trévise. Il fait qu'effectivement, nous sommes en guerre vis-à-vis du seigneur légitime, la Turgovie. Nous sommes surtout en guerre contre Trévise. Ça, c'est un bon plan. Ça, c'est toujours à moi, ça. C'est toujours à moi. Ah, c'est beau. Comment ça se fait qu'il a une revendication sur le duché de Milan? Ça, par contre, je piche pas. On n'a aucun lien. On a gagné. À moi. Je peux. Ah, il était déjà créé. Et bah, bim! Voilà. Duc de Frioul. Je l'étais déjà. Ah, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Bien sûr, bientôt on sera roi. Maintenant, pour l'instant, la protection du Saint-Empire elle m'arrange bien. Donc, je vais rien toucher. La femme s'en va. Mettre des troupes en Corse. Ah, Mathilde. La révolte a commencé. Révolte. Ils n'ont pas l'air si nombreux que ça. Ma fille peut pas se barrer avec un mec aussi. Hein? Moi, j'ai pas guéri. Oh, j'ai pas guéri. Du coup, toutes mes revendications tombent à l'eau, une fois de plus. Mais c'est pas possible, j'en ai marre. J'en ai plein le cul. S'il te plaît, c'est pour nous celui-là. La bataille finale, ça c'est perdu. 1%. 99%. Ça marche. J'ai une deuxième. J'en ai une deuxième.
deuxième sur le dos. On est une deuxième sur le dos. Je vous déteste. Pas le droit de me faire ça. On va pas chanter, hein. Il y en a reparti comme un 40. Allez, on le fait. Oh, mais non, ils se sont rejoints. Les bâtards, ils ont rejoint. Non, on va gagner quand même. Comment? On gagne. On gagne. En effet, on avait un malus. Mais eux aussi, c'est un malus, ça se trouve. En voulant traverser. Donc j'ai payé les mercenaires pour rien. Ah, le coup du sort. On aime ça. On aime quand le sort est avec nous. Ah, c'est le bordel ce que je vois là. Ah, oh, c'est le bordel en Bohème. Ah, ça, ça m'intéresse. Alors, faut savoir que la Bohème était était sous la domination de la Pologne. Mon fils, un deuxième fils, intéressant. Comment on va t'appeler? Mathéo. Avec deux T. C'est bon. Cassez-vous. 89%. Pas encore possible, mais... Putain, sérieusement. Mais pourquoi tu viens me faire chier avec un mec venu de nulle part. Non, oh, l'étranger. Ah, c'est gagné. Putain, allez, tout le monde en tôle. Eh ben, bordel de merde. Ah non, non, vous avez tous y restés. Hein. Et tous y restés pendant un bon moment. Ça existe l'Empire d'Italie? Je savais même pas. Oh, mais c'est intéressant ça. Je croyais qu'il n'y avait que le royaume. Oh, mais c'est pas mal ça. Écoutez, on est bien placé. Il nous reste la Corse, on va pouvoir hériter de la Corse. Par contre, ça, la Sardaigne, c'est pas encore ça. La Corse, c'est plus là. Quasiment fait. Plus sociable. La guerre est gagnée. Du coup, il a hérité de quoi? De Brescia. Il va me le filer, hein? Hein, tu vas me le filer, connard? Hein? Tu vas me le filer? S'il te plaît. C'est à moi quand même, ça. C'est à moi. Alors, tu vas me le filer, connard. S'il te plaît. Ah non, il a revendiqué que par mes modèles, finalement. Et la Bohème. Ah oui, quand même. On va récupérer la Bohème.